Voilà, c'est reparti. Eh bien, c'est reparti pour un nouvel épisode de À l'ombre des falaises, on pleure. Mais que se passe-t-il donc au bord des falaises d'être tard? Mais il se passe des choses, mais affreuses, affreuses. Quatre jeunes filles sont mortes dans d'affreuses conditions. Et on se demande bien pourquoi. En plus, ça se passe pendant le confinement du printemps 2020. Du coup, je vais demander à notre cher agent Ward, alias Louis Valmera, de nous résumer les épisodes précédents. On voudrait bien savoir ce qui s'est passé. Tout à fait. Dans les épisodes précédents, une cellule de crise a été dépêchée pour enquêter sur ces quatre meurtres affreux. Donc, Anis Hamza, un garde forestier, Louis Valmera, un chef de la diététique, Coralie Rokatansky, le capitaine de gendarmerie, ainsi qu'Ismaël Corbin, un consulat d'Israël, ont été réunis. Au départ, ils formaient un groupe un petit peu hétéroclite, ils se regardaient un petit peu en chien de faïence, et ils ont commencé à avoir chacun des hypothèses sur les lieux, sur les conditions, sur les traces du crime. Et ils se sont réunis dans une petite location d'Étretat où ils ont rencontré un individu un petit peu singulier, Jean-Daniel Carpentier, qui est le propriétaire et qui louait la maison où ils vont se retrouver, qui vont leur servir de base d'opération. Et c'est là que, chose étrange, nos compères se sont aperçus de la présence de micros. Que font ces micros ici? Le comportement du capitaine qui disait attention, ne touchez pas trop, n'allez pas trop fouiller dans les affaires de Monsieur Carpentier. Enfin, des choses un petit peu bizarres. Toujours est-il que ce qu'on a découvert, c'est que ces jeunes femmes étaient marquées avec des symboles à la fois celtiques, à la fois chrétiens, entre la Sainte Trinité un triskel, symbole de vie, de mort, de renaissance, du mental, du corps, de l'esprit. Qu'ils ont été avant d'être. Donc, ils ont été 36 heures avant leur mort marqués de ce symbole, qu'ils ont été drogués avec des traces de curare, qui est un poison violent, des alcaloïdes, qui sont plutôt un hallucinogène hypnotique, au moment de leur saignée, puisqu'ils ont été. Les quatre femmes ont été suspendues par les pieds pour permettre une saignée, et donc ils sont morts de toutes les quatre d'une crise cardiaque. Les deux premiers corps, il s'agit d'inconnus, on suspecte des prostituées. Hein. La troisième personne est une infirmière, la quatrième personne est une étudiante. Les trois premiers crimes ont été faits dans le secteur. Le quatrième a été fait un peu plus loin, au Havre. Les deux premières, c'était des inconnus, de parfaites inconnues. La deuxième, une infirmière. Et la troisième, quelqu'un qui
qui avait contact beaucoup, qui contactait énormément sa famille, donc quelqu'un qui était difficilement accessible. En tout cas, le capitaine et le garde forestier sont partis chercher des traces, enfin des indices au niveau de la forêt, là où a été découverte la victime numéro 3, la victime qui où ça colle pas. Donc apparemment, ils n'ont pas trouvé grand-chose, mis à part que, enfin, voilà la mascarade. On a eu un peu plus de chance avec donc avec mon collègue Monsieur Corbin au golf, puisqu'on a découvert une caméra avec et là. Et là, on reprend. Vous étiez retrouvé au golf, juste au moment où vous alliez partir du golf. Vous êtes tombé sur un pick-up Ford Ranger avec deux gros chiens à l'arrière. Et notre chère Coralie et notre chère Anis en sont sortis. Et vous vous êtes donc retrouvés, vous avez commencé un petit peu à discuter. Et juste au moment où Louis Valmera allait raconter qu'est-ce qu'ils avaient découvert, ben, en fouillant dans le golf. Eh bien, mon cher capitaine, en fouillant la bande du 16 avril, entre minuit et 2 h du mat, on a retrouvé la fameuse Renault Mégane avec le meurtrier qui transportait le corps de Rachel Fitterman, qui est emballé dans un sac plastique avec les pieds noués à un poids. Certainement pour le balancer par la falaise et d'être englouti par l'eau. Apparemment, ça a un peu foiré parce que c'est le jardinier qui l'a retrouvé le matin. En tout cas, on a la bande. On a le meurtrier dessus. Je ne sais pas si Un des vous meurtriers, vu qu'on a dit qu'il avait des complices. Et apparemment, il a l'air d'être jeune. Moi, je suis en train de penser à, vous savez, les espèces de confréries entre jeunes, Fraternité? ouais, les fraternités, mais bon, ça n'existe pas en France, ça existe surtout en Amérique, ces choses-là. Mais il y a peut-être un lien avec la quatrième victime qui était étudiante. Donc, moi, j'irais bien rendre visite à la famille de Ludivine, non pas Ludivine Soignon, comment elle s'appelle, Caroline Longchamp, et voir ses amis, etc. Voir si, enfin, on n'a pas des traces justement d'une quelconque confrérie et enquêter avec ce symbole bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers collègues? Bah déjà pour ce soir, c'est pas la peine puisque Le Havre, c'est pas la porte à côté. Mais pour demain, pourquoi pas? Après, je pense qu'il faudrait faire. Moi, je ferais des recherches. Je ferais bien des recherches sur les symboles et d'où est-ce qu'ils peuvent venir. Est-ce qu'il y a effectivement une espèce de groupe sectaire qui opérerait à Étretat? Ou Je dans les pense que. environs, Ou dans si les ce environs. symbole-là a pas déjà été trouvé. Ouais. Sur un mur, quelque part, je sais pas. Si vous me permettez, mon capitaine, est-ce que ça vaudrait pas aussi la peine de se rapprocher des amis de l'infirmière? Oui, bien sûr, Peut-être on peut aller leur poser des questions, savoir si elle était bizarre ces derniers on peut temps. peut-être aussi trouver peut-être des similitudes avec des collègues à elle, voir si dans son entourage il n'y aurait pas des collègues de 22 ans qui correspondraient au profil. On tape large, mais
pour voir si elle n'avait pas des comportements bizarres. Dans vos contacts aussi, au niveau de la gendarmerie, est-ce que vous avez des informations sur le milieu de la prostitution? Bah, je peux jeter un œil, je peux essayer de voir si je trouve quelque chose. Ça coûte rien d'essayer. Et aussi aller voir Ludivine Soignon, elle était infirmière en radiologie, c'est ça? Oui. Ouais, il n'y a rien à voir. Ouais, parce qu'en fait, à Nice, tu parlais de Oui, par rapport aux moi champignons, je par rapport aux disais. drogues, etc. Et voir Ouais. si à l'hôpital où elle travaillait, s'il n'y a pas eu des vols ou des disparitions justement Le de matériel. substances comme ça. Ouais. Ouais, c'est possible. Comme je disais au capitaine, c'est quand même bizarre que on parle de curare qui est utilisé en anesthésie, qu'on parle de Le curare substances. est utilisé en Non, le anesthésie. curare est pas utilisé en C'est un anesthésie, poison. Non. c'est des produits annexes. Oui, mais ça, c'est ce que a dit le médecin. Enfin, vous voyez qu'à Nice, lui, il n'en démord pas de toute manière. Il a cette idée en tête. Curare égale anesthésie, que ce soit de synthèse ou naturelle, lui, il n'en démord pas. Au fait, Il a à trouvé Nice, un point commun. pourquoi tu disais que ça sentait le champignon? Ça sentait le champignon où dans la maison où on était ou à l'extérieur? Oui, à l'extérieur, je suppose. Avec Ah, Carpenter. Carpenter sentait le champignon. Carpentier, Carpenter, ça il est passé en Angleterre, non, aux États-Unis. Oui, Carpentier, Carpentier. Carpentier. Carpentier sentait le champignon. Oui, quand je suis rentré, j'ai eu une forte odeur de champignon. Ouais, Alors je mais moi sais j'ai pas donc si c'est c'est pas dans la Carpentier. maison. Et C'est moi j'ai lui cru que qui c'était dans la maison. sentait, le champignon spécifiquement. Dans la maison. D'accord. Oui, dans la Ok. maison. Ah non, dans la Alors, maison. vu que vous sentez pas le champignon, il y avait que Carpentier et il me semblait que ça venait de Carpentier, mais c'est pour ça que vous qui étiez arrivé, je voulais voir si vous aviez senti avant ça. Non, j'ai rien senti de Moi, spécial. je suis habitué à aller dans la forêt, alors j'ai toujours cette impression d'avoir cette senteur dans le nez, mais j'ai eu une forte, forte impression que Carpentier ou la maison ou sentait le champignon. Et du coup, Et il ça faudrait. vaudrait pas le coup de faire entrer les chiens pour savoir si c'est dans la maison quelque part caché? Ça vaudrait le coup, oui. Et Parce d'un qu'ils autre sont capables côté, de sortir. il Ouais. faudrait aussi qu'on fasse des recherches sur cette fameuse Renault Mégane. Ouais. Du coup, vous avez une plaque ou quelque chose? Non. Ah, ben justement, on n'a pas de plaque, Vous avez on la n'a moitié des rien, numéros de la mais plaque. vous avez les techniques de policiers. Voilà, on vous donne la bande, c'est pour ça que j'en ai fait une copie. Ouais, je veux bien voir la bande et essayer de voir si je peux pas appeler un de mes amis, la gendarmerie, voir ce qu'il peut faire, avec. Si on peut pas me faire Et une petite fleur. est-ce que vous avez trouvé. On nous a parlé d'une voiture au golf, Ah, une c'est un Ford. pick-up comme le tien à Nice, sauf que bah, il est nickel, c'est comme s'il n'avait pas roulé du tout. Ouais, donc c'est pas Donc possible. le pick-up, y a plus de chances que. Et là, je regarde ton pick-up, il y a plus de chances que ce soit un pick-up comme le tien plutôt que celui du Golf. Ok. Par contre, la personne qui est rentrée avec la Renault Mégane dans le Golf, elle était feu éteint, elle est rentrée comme ça, elle savait exactement où elle est. Parce qu'on ne peut pas rouler au-dessus d'une falaise dans un golf avec une Renault Mégane, ça n'est pas possible si on ne connaît pas les lieux. Donc c'est forcément quelqu'un du coin, c'est quelqu'un qui possède une Renault Mégane, donc ça doit limiter les champs de Oui, recherche. donc ça vaut pas forcément le coup d'aller voir au Havre à l'université où était l'étudiante en fait, vu qu'il est forcément du coin. Il peut pas Mais connaître le golf comme sa poche s'il n'est pas du coin.
Mais c'est peut-être un gamin du coin qui fait ses études au Havre, ça on n'en sait rien. Par contre, mon capitaine, est-ce que on pourrait essayer de joindre la famille de la victime du Havre Alors oui, on sans peut, se mais alors soyez déplacer prudents, du tout? hein. N'oubliez pas que on n'est pas censé poser des questions, donc appelez pendant les horaires normaux de la gendarmerie. Soyez sûr de ne pas vous Ah non, compromettre. mais de toute manière, ce serait pas à moi. À la limite, c'est vous qui êtes capitaine de gendarmerie. C'est à vous d'appeler la Oui, famille. mais alors je Euh, suis donc, pas censée il n'y être en aura service. aucune. Oui, mais est-ce que la famille le sait? Bah non, mais ça veut dire que si jamais quelqu'un d'autre les appelle et qu'ils disent bon, j'imagine que ça devrait aller, mais bon. Ça va être la même chose si on va voir les collègues à l'hôpital et ce genre de choses. Donc à un moment, il va falloir qu'on prenne des décisions. Bah, c'est un peu différent parce que aller voir des collègues à l'hôpital, vous pourrez toujours dire que. On cherche des informations parce qu'on est de la famille ou des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref, peu importe, on n'est pas obligé de décider ça maintenant. Je propose qu'on rentre déjà dans la maison et n'oubliez pas que c'est truffé de micro, hein, donc il faut laisser passer aucune information. C'est le moment de mettre une petite musique d'ambiance. Effectivement, Avant on est qu'on en fin retourne à la d'après-midi, maison. là il est pas loin de 18-19 h, il commence à faire nuit, vous êtes en train de discuter devant le golfe des Trottins. Je propose de rentrer et de mettre du Barry White, mais à fond. Ouais, sauf Puis vous commencez à si avoir on n'a faim rien aussi, à se hein. dire. Eh oui, on mangerait bien du champignon ce soir. Une omelette aux champignons. L'omelette aux champignons. C'est tout à fait possible. Donc vous décidez de rentrer à la maison alors. Eh bien vous Allez. rentrez à la Ouais. maison et vous vous installez dans cette neuve fabuleuse maison. Et vous faites quoi dans cette maison? Donc vous mettez de la musique et vous faites une omelette aux champignons. Et Et on quoi fait d'autre? rentrer les chiens. Ouais. Non, Oui, mais on avant de fait faire l'omelette aux rentrer. champignons. Avant que vous rentriez dans la maison, je rentre moi avec les deux chiens. Et Ouais. Et je les alors? fais un peu sentir un peu tout. Et je leur parle à l'oreille. Alors, je leur fais comprendre que je cherche. Je suis allé sur la pelouse. Est-ce que sur la pelouse, il y avait. On est en avril. Il y a des feuilles, il y a des trucs comme On ça. est Je les fais début mai. renifler un peu tout. Début mai, non. Début mai. Ça va pas être l'automne, quoi. Pas trop, non. Ouais, Ben on peut leur faire renifler des champignons avant de les mettre dans la. mais alors, est-ce que les conserves, les champignons de Paris ont la même odeur que Non. Non, mais les c'est. alcaloïdes Pas du tout. écologues. Grave Non, mais façon. non, de toute manière, même ils marqueront pas, même s'il aurait fallu qu'on prenne de l'humus ou des trucs comme ça. Mais en rentrant, tous en rentrant, je vous ai demandé de vraiment essayer de faire attention si vous sentiez quelque chose. Voilà. Parce que si vous sentez rien, ou même si moi je sens rien, ça veut dire que c'est pas la maison, c'était Carpentier, quoi. Ouais. Et alors, est-ce qu'on sent quelque chose? Non, vous ne sentez rien de particulier, non. Ni même toi, Anis, tu ne sens rien de particulier. Ouais, donc Je c'est vraiment un reconnais carpentier. vraiment pas cette odeur, quoi. Non. D'accord. Non, mais et donc La maison sent je le vous confirme propre, bien sent la que. javel, Voilà. les Donc je nénuphars, le vous confirme détergent. bien que ça sentait fortement ça. Fortement, j'irai peut-être pas jusque-là, mais bon. Tu as le nez Oh, fin, quoi. quoi. Oui, ça m'a vraiment. J'ai reconnu cette odeur. Reconnu fait, reconnu. Oula, qu'est-ce qui se passe là?
Mais la radio Il y a la un peu plus musique. tard. C'est la musique d'ambiance. Non, c'est trop fort là. Annie, s'il trouve que c'est trop fort, il sort, il va avec ses chiens. Je fais quelques pas de danse. Jardin. Et là, je regarde mon collègue Ismaël, je fais un petit café. Non. À cette heure-ci, c'est un petit peu tard. Non, non, purée, j'en veux plus. Eh ben, il y a de l'ambiance. Hein. Voilà. Comme ça, on peut parler avec non, la on musique. Non, on ne peut pas parler. Mais même avec la musique à fond, on ne peut pas parler comme ça. Bah si, on peut parler doucement si on a des trucs à dire, quoi. Et là, Ismaël, il sort un paquet de cigarettes et il vous propose de sortir fumer pour discuter. Ouais, moi, je vais sortir fumer, ouais. Moi, je prends mon paquet de sucettes et je vous suis. Je suis déjà dehors, moi. Et il n'y a personne qui fait plus, à manger. Non. Okay. Moi, je ne sais pas faire à manger, donc ça va pas être moi. Moi, je suis bien. Plus Chouba Choups. Donc, vous êtes donc dans le jardin en train de discuter, alors. Très bien. Avec la musique toujours à fond à l'intérieur. À l'intérieur. Comme ça, dans la maison. Très bien. Dans la maison. Mais nous, on est dehors. Je veux me faire jarter sur YouTube. Bah, justement. Louis, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre la musique à fond parce que ça va paraître super suspect, quoi. Je pense que si on a rien à dire, je suis un petit déhanché. On peut juste T'inquiète. Dire qu'on a vraiment un fan de Barry White ici. Faites pas tous un petit jet de perception pendant que vous êtes dans le jardin. Tous. Je suis classique. Tous. Tous, ouais. C'est parti. Perception. Oh là là. 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 Bon, à part à part Louis Valmiras qui est complètement à la ramasse. D'ailleurs, je sur autres... la musique. Les autres, vous remarquez que dans les aux fenêtres des maisons voisines, les gens soulèvent les rideaux et commencent à regarder d'un air suspicieux dans votre direction. Pas parce qu'on a mis de la musique. Je dis pas pourquoi, mais. Bon, on est en plein non, confinement. Pas beaucoup, je mets hein. de la musique. On a nos masques. Il est à peu près quelle heure? Non, vous avez il pas est de masque. À peu près quelle heure, je vous rappelle quelle heure qu'on est en pleine période de on est en pleine période justement alors, où ça manquait des masques. Annie, il voit ça, ah il voit ça, et il commence à applaudir. Il applaudit. C'est terrible. Merci pour les infirmiers. Merci. Et il applaudit. On est à peu près 8 heures là, non? C'est à peu près 20 heures. Effectivement, c'est pas loin c'est d'être 20 heures. Une belle tentative de diversion, c'est beau. Donc, et il applaudit. Effectivement. Merci. Ouais. Effectivement. Oh mon dieu. Moi, je suis un moonwalk et je fais un demi-tour. Et j'explique à Ismaël, là, je sais pas, j'explique à Ismaël qu'à 8 heures, là actuellement, on applaudit les services hospitaliers. D'accord. C'est un bon service rendu pour le virus. Et c'est un bon moyen de paraître un peu moins suspect, parce que je sais pas si vous avez regardé, tout le monde nous regarde là. Alors je sais pas pourquoi ils nous regardent. Mais bon. Est-ce qu'il se fait une mèche avec Carpentier? Est-ce qu'il aurait loué à tous les voisins? Tout le monde non. est complice. Mais non, Et vous faites quoi donc dans le jardin ça... là bah, ça vous dit je vais retourner à l'intérieur et je vais baisser le son de la musique, ce qui fait qu'on ne l'entend plus de l'extérieur. Mm-hmm. Il y aura toujours une petite musique.
Et Moi, je je vais vais rentrer. ressortir. Moi, je vais Donc. rentrer et je vais ouvrir le réfrigérateur pour préparer à manger. Très bien, Oh, bonne idée. Rokatensky, rabat-joie. Tout ça, mais il se fait faim, non? Je Il a faim, proposais ouais. si ça Est-ce vous qu'il y a disait une pas odeur de... bizarre dans le frigo parce qu'on n'a pas fait les courses et peut-être qu'ils vont nous empoisonner? Ça. Alors là, j'ouvre le frigo Ouais. et il y a quoi à l'intérieur? Oh, il y a plein de choses. Il y a effectivement une boîte de frais, il y a des légumes, il y a des probablement des steaks, du poulet, des saucisses, Ok. toutes sortes de C'est légumes. difficile d'empoisonner des œufs, donc je propose qu'on mange une omelette. En Je fait, je me prends. disais la même chose. Je me dis qu'on va passer une nuit Je prends des compliquée. saucisses. Je Paranoïaque. prends des saucisses. Ouais. Je prends deux saucisses. Ouais. Je Ah les oui, fais tu vas les flairer donner à au mes chiens. chien. Je les fais Ah, flairer au il chien. est Oh bah, intelligent, tu les vois qui Anis. se mettent en arrière et qui commencent à se lécher les babines là, avec la queue qui remue droite-gauche assez rapidement et les oreilles dressées. Ils n'arrêtent pas de se lécher les Je leur en donne babines. une à chacun. Je leur en donne une à chacun et j'en mange une comme ça. Cru? Toi, tu en Ah manges quoi? non, je la Alors mange là, pas moi. il a mangé Non, je la mange cru. Alors là, Coralie, elle va faire mine dégoûtée, mais genre, ah, c'est non, horrible. non, je peux pas la manger moi. Je peux pas la manger Ah moi, bon, ça me d'ailleurs. rassure. Bah effectivement, bah t'es Mais des je leur chiens, ai donné. ils avalent la saucisse en rien de temps, à peine s'ils la mâchent. Et puis là, ils sont à nouveau Et donc je leur. tout contents, là, avec l'œil qui pétille, Et donc. les oreilles dressées, la queue qui remue. Et je leur dis, vous pouvez y aller sans problème, il n'y a rien à la nourriture. Par contre, moi, je vais prendre des œufs. Ayez Après, confiance en Anis Hamza. tu es végétarien, Anis? Et je ne suis pas végétarien, mais je sors de sous mon t-shirt. Je vous montre un croissant de lune. Un croissant de lune. Une cicatrice. Ah, une croissant Non, au bout de de ma chaîne. lune. Ah. Et oui. Ah, d'accord. Et je vous dis, Effectivement. Ah mais oui, c'est pas halal. je dois vous laisser. Ah ben d'ailleurs, Ismaël aussi, il va pas la manger, la saucisse. Ah, si c'est des merguez, ça va. C'est du bœuf, du mouton. Oh, c'était des saucisses, t'as dit. Ouais. Dans le doute, on sait pas ce qu'il y a dedans. Et Bon bah je du regarde coup. Ismaël, et je regarde Ismaël et j'ai dit, j'espère que ça vous pose pas un problème. Non, j'ai aucun problème avec ça. Du coup, bah je fais à manger hein, pour tout le monde en tant qu'à faire. Ouf. Et Formidable. je fais des œufs avec des pâtes. Super. Ça, c'est un Ah bah repas ça c'est basique. C'est de la royal. grande cuisine. En pas d'études. Et je vous demande si quelqu'un va manger les saucisses. Non, c'est gentil, mais je crois que je suis plutôt d'humeur œuf ce soir, hein. Si je les donne à mes chiens, ça pose un problème à quelqu'un? Non, aucun. Par contre, Merci pour eux. ça risque de pas suffire pour les nourrir, hein, parce que t'es bête de 50 kilos. T'as emmené des croquettes avec toi ou Bah, Non, j'espère mais que parce tu comptes que. rentrer Non, mais. à ta cabane pour leur donner à manger. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a suffisamment de pâtes pour leur en préparer et leur faire justement avec des saucisses. Des pâtes et des saucisses. Je Est-ce pense qu'il y que en tu a vas assez donner ou il des faut que pâtes je à du retourne chez vous? chien. Oh ouais, tu peux préparer Oh, quelque tu peux. chose avec 2-3 paquets de saucisses, oui. Des coquillettes, ce genre de choses. Si tu le souhaites, eh ben, tu leur fais à manger. Par contre, sinon, est-ce qu'il y a suffisamment ou non? Oh oui, largement, tous les placards sont pleins à ras-bord.
Bon, sinon, mon capitaine, si vous le permettez, demain, ce serait bien que je retourne chez moi pour récupérer de la nourriture un peu plus adaptée à mes compagnons. Bien sûr, mais alors qu'on se mette d'accord tout de suite, Anis. Hein. Ici, je ne suis pas en qualité de capitaine. Je reste capitaine de gendarmerie, mais je ne suis pas votre supérieur hiérarchique à aucun d'entre vous. Hein. Donc, vous pouvez m'appeler Coralie, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que je suis quand même capitaine de gendarmerie et je ne suis pas censée voir d'activité illicite. N'est-ce pas? Et là, je vois que je regarde Luis Valmeras avec insistante. Moi, tu vois, Et Annie, si tu j'ai enlevé la et Annie, montre si tu de ma réponds. main et je la mets à mon oreille pour faire un... Fonctionne pas, c'est de la camelote ce truc, c'est marqué Rolex. Et Annie, si tu réponds, il te fait reçu, mon capitaine. J'ai rien compris. Moi, je fais semblant de pas écouter. Aïe, aïe. Ouais. Donc, vous mangez tranquillement, c'est ça? Bah oui, hein. On va Ouais. manger. De toute façon, moi je râle pendant. Enfin, je râle pas, je fais des soupirs en regardant la nourriture, mais je ne dis rien d'autre. Vous avez à Moi, peine j'ai fini de pris. manger que vous voyez devant la voiture s'arrêter une voiture de. Devant la voiture, devant la maison, vous voyez s'arrêter une voiture de gendarmerie. Ah, je me lève, j'y vais. Vous voyez des gendarmes qui sortent et qui commencent à se diriger vers la maison. Vraiment des. Ismaël Ah, c'est peut-être pour ta page. sort par derrière, d'accord. Ismaël sort discrètement par derrière. D'accord. Au Coralie, cas tu m'as où. dit tu te lèves? Ouais, je me lève et j'y vais. Tu vas dans la direction? D'accord. C'est Moi, je monte deux petits tranquillement jeunes le bout de gendarmes saucisse. que tu connais pas, vraiment, apparemment des grouillots qu'on a mis volontaires d'office pour faire la garde ce soir, pas de garde ce soir. Il se dirige vers vous, il fait excusez-moi madame, mais je comprends pas, c'est censé être une maison de location ici en ce moment et le tourisme n'est pas autorisé sur Etretat. Je lui Les montre voisins ma nous ont carte de prévenu que. gendarmerie. Ah! Coralie Rokatansky. Je suis Ah, capitaine de la oh gendarmerie mon capitaine! d'Etretat. Oh, je suis vraiment désolé, mon capitaine! Oh, je suis vraiment désolé! Je comprends pas. Oh, oui, d'accord. Je suis vraiment désolé, mon capitaine. Bah, écoutez, je comprends, oui. Vous habitez ici, en fait, alors? Ok, bah. tu vois qu'il Attendez une qu'il minute, attendez une comprend. minute. Je suis ici avec mes amis temporairement. Hein. J'apprécierais que vous ne racontiez pas où je me trouve dans la Ah, gendarmerie. Est-ce que malheureusement, je peux compter sur vous? on a eu un appel et on va être obligé de faire un rapport. Vous pourriez oublier de citer mon nom, par exemple. Ouais, mais alors on dit quoi là? Y a qui à l'intérieur de cette maison là? Je suis obligé de dire que voilà, moi, voilà, on a eu un appel à la gendarmerie et une maison qui est censée être inoccupée en ce moment. Normalement, il n'y a pas de censé y avoir de touristes ici, et donc je suis un peu Bien embêté. sûr, mais Et je là, moi, suis je... convaincue que vous saurez trouver quelque chose. Et là, je sors mon portefeuille. Le portefeuille, Et je carrément. vais tenter. Ah non, 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 je non, non, voudrais non. tenter Moi, je influence. passe. Ah non, non, moi je passe, je lui fais signe de rentrer le portefeuille. Écoutez, si vous voulez avoir l'identité de tout le monde, ça peut tout à fait s'expliquer. Et là, je montre mes papiers avec la carte d'identité de Jean-Daniel Carpentier, hein, puisque bah, en fait, je lui avais piqué Possible. entre deux C'est pas vrai. son portefeuille. J'ai Mais il écouté, est connu, Carpentier. Tu peux pas dire que c'est lui. Ah, mais Enfin, tu eux, peux c'est pas des dire que petits c'est jeunes. toi. Attends, ils te connaissent pas? Mais si, ils me connaissent. Non, c'est une fois qu'ils ont vu ta plaque, ils te connaissent. Donc, Oui, bon, d'accord. eux c'est des gendarmes lambda, quoi. Et Ok. donc, Jean-Daniel Carpentier, oui, bonjour, Jean-Daniel Carpentier. Donc, Ouais. je montre mes papiers, bien sûr, en cachant la photo d'identité.
Et là, je peux faire un test de. Fais-moi des ouais, un test charisme ou baratineur ou un truc comme ça. T'as quelque chose comme ça? Ouais, attends. Attends, résister, kleptomane. Détendre l'atmo. J'ai détendre l'atmosphère, rigolo. Ça, c'est un trait, ça. C'est un. Ah, mais tu me l'as mis en. Ouais. Ça, c'est plus. Qu'est-ce que je. Ouais, ben, je sais pas, t'as pas autre chose, genre. Ouais, non, je vais Baratineur mettre du pour convaincre charisme. ou est-ce que je peux aider Charisme. avec un test de corporatisme gendarmerie puisque j'ai Ouais. plus un au test de charisme effectué auprès des membres de sa corporation. Eh ben, Ah bah tu oui. peux me faire un jet effectivement avec le plus un, oui. Ouf. Ouf. Ouh, ça fait mal ça. Ouh Ouais, là ça là. fait mal. Ah oui, ça Je fait crois que mal c'est ça. le premier. Je pense que oui, là Oui, je bon, d'accord. Bon, Ah c'est ouais, pas la non mais peine. d'accord. Ah ouais, non mais Non, mais c'est quoi d'accord. ces jets aussi? Deux. Non, mais c'est pas vrai. Ah mais c'est quoi? Oh là 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 là, ça fait bobo. Vous entendez J'aurais dû faire un un test de numéro charisme. d'appel? Vous entendez que ça à l'intérieur de la voiture, un appel mais qui court, il y a un des deux qui court. Oui, mon lieutenant, oui. Oui, mon lieutenant, oui. Bah écoutez, oui, on est justement, oui, sur cette maison, oui, qui est pas censée être occupée. Là, il y a des Oh, gens un le peu bizarres à lieutenant, j'ai piqué l'intérieur. la. J'ai piqué Il ça. Ça y a, décapotable de ce matin. y a des gens là qui sont dans la maison. Je sais C'est pas pas de trop ce que chance. c'est. Vous voulez quoi, qu'on les amène au poste, c'est ça? Qu'on Ah. les Merde. Ok, Oh là là. bien d'accord mon lieutenant. Et le mec qui revient, écoutez, désolé, mais il va falloir nous suivre si vous voyez pas d'inconvénient. Vous allez voir, on va fermer la maison. Ils étaient combien à l'intérieur de la maison là? Je regarde à l'intérieur, trois. Je vois pas Ismaël, il est pas à l'intérieur. Non, je suis pas à l'intérieur. Et Ben, venez tous les trois avec nous là et montez dans la. Je suis un peu désolé, mon capitaine, mais peut-être vous réexpliquer au lieutenant. Oui, Je sais bah j'ai pas. compris, je vais devoir m'expliquer, c'est bon, allez, hop. Mais Je j'espère que vous vous me. rendez compte de ce que vous êtes en train de faire là, hein, parce que normalement, on n'embarque pas son Non, supérieur. Hein. je sais bien, alors mais je suis désolé, mais voilà, c'est. c'est mauvais pour la carrière. Hein. Donc je les suis, je mets les mains en l'air et tout d'un coup je glisse, je trébuche et je tombe sur le pauvre gendarme Ouais, et je fais oh là qu'est-ce là, qu'il faut faire? on Qu'est-ce se qu'il faut remet, faire? puis tu sais, on se Qu'est-ce qu'il faut retape, faire? excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai glissé. Voilà. Et tu lui as piqué quoi Bon, ce bah, du coup-ci? coup. Oh, il doit avoir signé des papiers, ce jeune homme. Une Sans doute, insigne, oui. etc. Oui, Oui. voilà. Sans doute, oui. Ça va pas aggraver ton cas du tout. Moi, je me rapproche de, moi, je me rapproche de, du gendarme. Ah, il y a Dit, tes deux chiens qui sont dans le je, jardin et qui sont assis, ils bougent pas, mais ils grognent. mais justement, je me rapproche du gendarme. Je lui montre un papier. Ça, c'est mon attestation pour promener mes chiens. Vous allez Ouais. m'embarquer parce que je promène mes chiens? Vous promenez les chiens Et... dans la maison? Non, ils sont dehors. Mais vous étiez dans J'ai la eu de maison. la. Je connais la capitaine. Je me suis approché. Voilà. Par contre, j'aimerais bien leur faire reprendre l'air encore un peu. Ah, vous étiez du coin, vous vous promeniez, vous étiez passé par là par hasard, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et je me grandis. Pourquoi vous n'aviez pas compris ça? D'accord, bah écoutez, ok, d'accord. Bah écoutez, bonne promenade, monsieur. Mon capitaine, à plus tard. Et Plus ils sont. tard, Anis. Bonne promenade. Bon, moi je suis Et j'appelle énervée, donc. l'assistant Macminos. Et On donc, continue. Coralie et Louise, vous êtes invitées à rentrer dans la fourgonnette de la gendarmerie. Ben on va y aller, on va faire un petit tour, c'est pas Est-ce grave. que vous pouvez mettre la radio
Barry White. Voilà. Sur Nostalgie, je crois qu'ils sont en train de passer du Barry White en ce moment. Écoutez, on n'est pas là pour écouter de la musique. On va à gendarmerie, c'est assez compliqué comme ça. Vous avez expliqué avec dire. Le lieutenant parce que là, le lieutenant il comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc, moi, oui, voilà. Bah, j'ai bien compris. Le lieutenant, c'est celui qui a une jolie décapotable. Non, c'est pas celui-là, non. C'est un autre. C'est pas celui-là. Non, c'est un autre. D'accord. Il a pas une Renault Mégane. Non plus. non plus. Non, mais d'accord. Bref. Et donc, bah, vous êtes donc de retour à la gendarmerie. Alors, du coup, une fois que la voiture de gendarme est partie, il y a Ismaël qui sort de sa cachette. Il était simplement caché derrière le mur. Hein. Mm-hmm. Et il rejoint Anis et il propose à Anis de suivre la voiture de loin, quoi. À pied, en voiture. Hello. Non, avec son 4x4. Ouais, mais Ismaël, je pense que c'est Ismaël... pas une bonne idée. Je pense que c'est pas nécessaire. Je vois ce que tu veux dire, mais ils vont à la gendarmerie, ils vont se faire taper sur les doigts, ils vont revenir. Peut-être, ça vaut peut-être le coup. Moi, j'ai une adresse, j'habite ici. Si ça t'intéresse, on passe la nuit chez moi. Là, par contre, on prend. C'est très confortable, c'est très luxueux. Oh, mais pour un Nice, c'est très luxueux. Hein. C'est très luxueux pour un Nice. Ah, bah oui, oui. Donc... Mais je te propose ça. Soit tu attends ici qu'ils reviennent s'ils ne sont pas gardés toute la nuit au poste. C'est la nuit au garde soit. Mais bien sûr. Soit ça va se passer comme moi, ça. Moi, je vais aller chez moi. Parce que de toute manière, je suis chez moi et il faut. Et dès demain matin, si tu es avec moi, on les rejoindra. Si je suis seul, je vous rejoindrai. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais tu trouves pas ça bizarre qu'on soit venu les chercher ? C'est les voisins. Pourquoi un lieutenant interviendrait ? Les voisins, ils auraient appelé. Je comprends, c'est pas un problème. Mais là, c'est un lieutenant qui est intervenu. Fais-moi confiance, Ismaël. Les petits gars qui sont venus sont des militaires. Imaginons que ce soit un coup fourré, c'est pas eux qui l'auraient envoyé, le lieutenant. Moi, je pense que c'est les voisins qui ont appelé, qui ont vu. Alors peut-être le lieutenant, ça peut être suspect, mais je pense que c'est. Tu as l'habitude de voir des gens suspects autour de toi. Ok. Moi, et ben dans ce cas-là, je te suis. J'envoie quand même parce que j'imagine qu'on avait échangé nos numéros quand même avant. Oui, quand même. J'envoie un message à Louis et Coralie. Je réponds avec plein d'emojis, genre super énervé, quoi, genre. Ah. Comme ça, j'en profiterai. Dis-lui qu'on passe la nuit chez moi. J'en profiterai comme ça, au moins je prendrai de la nourriture pour mes chiens, s'il faut qu'on revienne dans cette maison. Mais de toute manière, cette maison est truffée de micros. Moi, je verrai plutôt par rapport à ça. Je pense que même si le lieutenant est trempé ou est complice, entre guillemets, on ne sait pas de quoi, mais de ce carpentier, et qu'il nous mette des bâtons dans les roues, par le lieutenant, c'est pas cette nuit qu'ils vont leur faire quelque chose. Ouais. Par contre, on se le met dans un coin de notre tête. Je suis d'accord avec toi. Écoute, on va faire ce que tu dis. On va chez toi. La nuit porte conseil, comme on dit. Et on verra bien ce qui se passe demain matin. Ok. Donc, on change le pick-up. On change les chiens, Ismaël. On va chez moi. Ouais. Très bien. Très bien. J'espère qu'ils ont du café à la gendarmerie. Hein. Oh, bah, ouais, j'ai une très bonne cafetière. Vous arrivez effectivement à la gendarmerie. Vous êtes accueillis au poste. Notamment au papier d'identité. Un lieutenant qui vous accueille là, au bureau. Alors, ma carte de police, enfin de gendarmerie. Capitaine Rokatansky. Un instant.
Et vous n'êtes pas censé être en arrêt maladie, vous, normalement? Bah si, je sais ce qu'on me dérange. On vous dérange? Mais vous dérange, vous étiez. Ils sont venus vous chercher chez vous? Non, ils sont venus me chercher dans ma maison de location. Figurez-vous que j'ai ma petite sœur qui est venue et je voulais pas lui filer le Covid, du coup j'ai pris une maison de location et ils sont venus m'emmerder parce que j'avais pris une maison de location et qu'on n'est pas censé faire du tourisme. Mais je fais pas de tourisme. Et ce monsieur qui est avec vous, c'est qui? C'est votre petit copain, c'est ça? C'est votre fiancé? Tout à fait, Ouais. et elle a passé le Covid. Je suis pas Et du c'est tout ça le contente problème. de ce qu'il raconte, genre, oh, c'est pas possible, mais je dis rien. Et moi, je vois qu'elle est gênée. J'ai un sourire en coin. Je me rapproche d'elle. Tu sais, je fais genre, je mets la main autour de son épaule. Elle Et est là, je très fais mal à un l'aise. sourire très forcé, très crispé, genre, oui, c'est génial. Hein, dis-moi, ma douce, c'est pas bien. Tu m'as, tu me, tu, on a dit pas de IST, et là tu m'as apporté le Covid. C'est pas très très bien. J'en suis vraiment, vraiment désolée. Et là, je te fais un gros bisou sur la joue. Mais c'est Et pas tu, grave. Coralie, tu entends sonner ton téléphone et tu Oui. regardes, tu as reçu un SMS de Anis. Encore. Je regarderai plus tard, parce que là, je suis Dans une situation occupée. délicate. Non. Et tout d'un Hors coup, RP, regarde ton message. oui, Hors d'accord, RP. merci. Oui. Je regarde le lieutenant, puis je commence à éternuer. Ah, excusez-moi. C'est Tu vois qu'il se recule. le. Alphonse, Alphonse, Hubert, ramenez-moi ces deux gugus là. C'est encore une connerie là. Ramenez-les-moi où vous les avez trouvés là. Et Bon, désolé, j'éternue capitaine, une deuxième fois et et te rends tes papiers là. Bon, Ok. lieutenant. Allez, 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 c'est bon, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Lieutenant, J'éternue. j'espère que vous passerez un sacré savon à ces Ouais. deux-là parce qu'ils n'ont eu aucun respect pour la hiérarchie. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça, donc il ne faudrait pas que ça Non, retombe sur vous, je n'est-ce pas? suis désolé, non, ouais, non. mais. Et écoute, ma chérie, ils ne font que leur métier. Et là, j'éternue une deuxième fois dans mes mains, puis je serre la main au lieutenant. En tout cas, Il retire vous sa faites un main, métier il formidable. prend ses distances, il recule d'un pas. Est-ce que j'ai eu le temps de lui serrer la main? Non, t'as pas eu le temps, non. Il s'est reculé Dommage. brusquement. Il avait la montre qui brillait. Ouais, mais non. Oui, mais non. Ouais, mais non, Qu'est-ce que tu fais de toutes ces montres? C'est Je te montre un pan de ma veste et en fait, tu vois qu'il y a plein de montres. Ah, c'est terrible. Bon, est-ce qu'on est relâché? Est-ce qu'on peut Bah, il vous repartir? ramène, effectivement, il vous ramène à la maison de location. Et il vous ramène à la maison Bon. de location. Au moment où vous sortez dans la cour, tu vois tout de suite les fenêtres de la gendarmerie qui s'ouvrent. Il ouvre grand les fenêtres pour tout aérer. Moi, j'ai éternué une deuxième fois, enfin une troisième fois, mais bien Vous bruyamment. ferez donc le trajet avec les fenêtres de la voiture, du pick-up grand ou avec du fret de la camionnette grande ouverte. Et il vous ramène à la maison de location, tous les deux. Moi, je suis toujours ultra gênée parce que je pense à ce que mes collègues vont dire quand je vais rentrer. Moi, je te tiens quand même par la main Non, pour non, aller non, jusqu'à la non. maison. Là, tu me tiens clairement pas par la main. J'enlève ma main. Parce que Genre. les deux Je m'en fous. C'est des ploucs. Ces deux-là, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je tape encore sur l'épaule du gendarme qui nous avait bien, si charmant accueillis. Bon, écoutez, bonne soirée. Hein. Puis attention, hein, saleté de Covid. Et là, j'éternue un dernier coup. Il part en courant dans la voiture.
C'est bon. Du coup, j'envoie un petit SMS à Anis en disant c'est bon, problème réglé. On peut passer aux choses plus importantes. Coralie, sympa tes collègues. Je dis la prochaine fois, je te gifle devant tout le monde. Et là, j'éclate de rire. Je lui fais dis donc, bon, par contre, leur montre, pas terrible quoi. Tout le monde n'a pas le salaire d'un capitaine. En tout cas, la prochaine fois que j'enquête, eh ben je serai un de tes collègues, je serai le gendarme, et là je sors le papier, gendarme Constantin. Ouais, bon, par principe je devrais être énervé, mais ces deux-là, ils l'ont vraiment mérité. Voilà. Donc je note, j'ai la carte du gendarme Constantin. Par contre, lui, il va avoir un savon quand il va s'apercevoir qu'il a perdu ses papiers. Oui, bah, il aura aussi un savon quand il s'est rendu compte qu'il a embarqué un capitaine. Il va passer une sale semaine, ça je peux te le rassurer. Ah oui, non, mais il y a des semaines comme ça. Et donc, si j'ai bien compris, donc nous avons Coralie et Louis, vous vous apprêtez à passer la nuit dans la maison. Ismaël et Anis, vous restez dans la cabane, au fond des bois. Oui. Ouais. Bah, en tout cas, ils ont reçu un SMS en disant qu'on est rentré, donc s'ils veulent rentrer, c'est possible, mais bon, comme ils veulent. Bon, je pose la question à Ismaël, mais moi j'ai dit, bon là, Ismaël, les chiens sont là. Ouais, Ismaël, tu découvres quand même une petite cabane, c'est propre, c'est rangé, c'est pas puant, c'est pas pourri, machin, tout ça. Mais c'est très simplement équipé, quoi, c'est... Bon, mais je peux même détruire, tu vois même non, que c'est très carré, même, très très carré. Ouais, c'est très carré, c'est un très petit simple, canapé. Très carré. Un petit canapé, y a rien qui dépasse, un petit machin. C'est super propre. Par contre, il n'y a pas deux lits. Hein. Il y a un lit et un canapé, quoi. Qui n'est pas un canapé-lit, d'ailleurs. Non, mais je propose le lit à Corben. Je lui dis, moi, je vais aller dormir dans le... Je vais aller dormir. Et au fond, tu vois qu'au fond pas du jardin, parce que c'est ouvert sur le bois. Tu vois une guitoune, c'est une tente. Ouais. Tente quechua. Me dis déjà, je vais dormir dehors là. Ça me gêne pas. Non, il va pas pleuvoir. Non, Anis, je vais dormir sur le canapé. T'inquiète pas. Non, c'est sympa, mais t'inquiète pas. Je vais aller dehors avec mes chiens. Je vais réfléchir un peu à tout ce qui vient de se passer cette journée. Et on se voit demain matin, si tu veux bien. Ok, ben merci beaucoup. Je te souhaite une belle nuit. Donc, tu vois qu'il prend un duvet, un plaid qui traîne là. Enfin, qui traîne pas, non, qui est dans une armoire. Il prend tout est. Tu vois, l'armoire est au. Tout est au carré. Tout est bien rangé, les couvertures sont. D'ailleurs, tu as pu remarquer que son lit était bien fait. D'accord. Bonne nuit, Ismaël. Je vais. Bonne nuit. Je vais dehors. Merci beaucoup. À demain matin. À quelle heure demain matin? Eh ben, on peut dire 7 heures, le temps de faire la route, de rejoindre. Moi, je saurais lever très tôt. De toute manière, j'ai tendance à me lever très tôt. Si tu le permets, je vais aller courir aussi. Demain matin, je vais me lever tôt, aller courir un peu et revenir. Eh bien, très bien. Tu disais le temps de faire la route, il est grosso modo entre sa maison, il doit être 20 minutes après, quoi. C'est comme ça. Quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Il n'y a pas des heures de route. Ouais, ça va. Donc, ben, je vais aller me coucher, moi. Très bien, et ben, je te souhaite une bonne nuit à Nice. Petite question à tout le monde, réponse probablement en message privé. Si vous prévoyez de faire quelque chose d'autre que dormir cette nuit, dites-le moi. Sinon, je considérerais que vous allez passer la nuit à dormir. Euh...
moi je remets tout doucement du Barry White. C'est fait, MJ. Alors je lis les messages secrets des uns et des autres. Non, il n'y a aucun message secret. Mais on non, super tout le monde les uns les autres. Tout le monde est donc en train de dire. On n'a pas entendu tap 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 tap. À quoi ça? On est tous en train de dire que cette partie est bien menée par le MJ, c'est tout. Oui, voilà, non, mais c'est du travail, là, faut que je cherche un peu, faut que je gère. Mais... Donc, effectivement, vous faites de très beaux rêves, sauf ceux qui ne rêvent pas. Alors, un instant, que je réponde à ceux qui sont en train de faire des rêves, que je raconte un peu les rêves de chacun. Je vais faire les jets à la main en mode caché. Allez hop, GM, pouf, pouf. Je lance mes jets en mode caché. Oh la vache. Et je pose une carte face cachée. Oh la vache. Oh, la encore vache. Un échec critique, mais j'en ai déjà fait un tout à l'heure. Je viens de faire un échec critique, oui. Je viens de faire un échec critique. Et on découvre qui est le coupable puisqu'on a décelé. Oui, bah, de toute façon, si c'est un échec critique, c'est bon, hein, tu vas vite découvrir. Hein, c'est pas... Louis, tu étais en train de dormir tranquillement. Et quand tu es réveillé par quelqu'un qui rentre dans ta chambre. En faisant voilà. un bruit assez, assez, enfin, il se prend les pieds dans le tapis et se casse la figure dans ta chambre et tu découvres Coralie couchée au pied de ton lit. Il vient de se prendre les pieds dans le tapis. Non. Eh bien, capitaine. Je vous laisse vous expliquer entre vous. C'est vrai qu'on était un couple factice, capitaine. Je vous écoute, capitaine. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Alors, je peux tout expliquer? Bah, alors, tu vois que c'est pas moi. Et non, je n'ai pas de caleçon sexy, etc. J'ai juste une grosse grenouillère parce qu'il fait un peu froid. Fantastique. Vraiment quelque chose que je ne voulais pas savoir. Un peu, ben voilà. Un peu interloqué chez Capitaine. Oui, non. Je cherche ma montre. Elle a disparu. Bien sûr. Bien sûr. Vous n'avez pas de montre, Capitaine? Ah si, j'en ai une. Une belle montre en plus. Non, sérieusement... Je vais voir un. C'est pour, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Qu'est-ce que vous cherchez là? Je vous le dis, je cherche ma montre. Ouais. Je vais faire une lecture à froid. Tu peux? Je peux ou pas? Pour tu voir peux? Si elle me ment. Oui, bah clairement, oui, elle te ment, oui. Je pense que même sans lecture à voix, tu aurais pu deviner. Ouais, et puis en plus, je suis un peu mentaliste, donc là, non, je fais, bon, tu... on va mettre carte sur table, et là, je sors un paquet de cartes, je commence à le sortir, tu ne sais pas d'où ça sort, puis je fais, bon, alors... Capitaine, vous pouvez m'expliquer précisément ce que vous cherchez dans ma chambre? Bien, je vais vous le dire. Mais pas ici, c'est truffé de micro. Vous le savez, non? Je mets la musique un peu plus fort. Vous pouvez me le chuchoter à l'oreille maintenant.
et je mets un, tu sais, un truc de Barry White, mais cette fois le slow, quoi. Putain. Alors, je vais sourire. Je vais m'approcher de lui. Ouais. Très doucement. Il va se prendre une baffe. Et je vais lui foutre bien dans le nez la photo que j'ai. Ah. Tu vois laquelle je veux parler, MJ. Donc, oui, je ne sais pas si on peut mettre... On va peut-être mettre les autres en mode dans un autre, dans un autre salon secret, alors. Mais on veut maintenant. Si vous permettez, je vais vous en mettre dans un autre salon, si vous n'avez pas d'inconvénient. Non, nous ne voyons pas d'inconvénient. Et donc, effectivement... Maintenant que nous sommes entre nous... Oui, tu vois une... Oui, tu vois une photo d'un... Clairement, ça c'était une capture d'écran d'un enregistrement d'une caméra vidéo dans laquelle on voit quelqu'un sortir d'une maison. Et ce quelqu'un, il te ressemble beaucoup. C'est pas sûr à 100%, mais il te ressemble beaucoup. Je reconnais la maison ou pas? Oui, sans doute, oui. Oui, c'est une maison que tu connais, oui. C'est une maison que tu as déjà visitée. Effectivement, je comprends le fait que, capitaine, vous soyez dans ma chambre. Et vous cherchiez quoi exactement dans ma chambre? Des preuves. Ça vous étonne? Je suis capitaine de gendarmerie. Et vous enquêtez juste sur moi ou sur mes deux autres collègues, Anis et Ismaël? Bah, à moins que ce soit de vos complices directs, juste sur vous, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, sachez que, et là je te montre ma veste avec les montres, je ne fais pas que, on va pas se mentir, hein, parce que là je pense que c'est ça va devenir compliqué. Est-ce que vous connaissez Arsène Lupin? Ah bah, je le connais bien, surtout en ce moment, on va dire. Il y a comme une recrudescence de sa présence dans les régions environnantes. Donc, effectivement, je ne suis pas que conseiller pour la police, je ne fais pas que des spectacles. J'ai un problème. Je suis un voleur. Mais je vole que dans des maisons un peu bourgeoises. Oui, j'avais aussi compris ça, on va dire. Disons que ça fait quelques années que je poursuis ce fameux Arsène. Ah mais, enfin voilà, faut pas non plus tous les vols se portent sur moi, mais effectivement, celui-là... Non, mais je poursuis depuis quelques années, ce cher Arsène, pour des vols assez spécifiques, qui se trouvent toujours, qui, disons, ciblent toujours les mêmes types de victimes, et qui volent toujours les mêmes types de butins. Voilà, sauf que je lui fais un test de lecture à froid oui, tu cherches. Pour voir si je peux lui faire confiance ou pas. Sur quel sujet? Parce que sur quoi? Sur que je te coffre pas? C'est ça que tu veux savoir? C'est... Oh non, non, la ça c'est pas. Non. C'est clairement non. Voilà. Donc, bon, ben voilà, effectivement, c'est moi. C'est moi le voleur. Allez-y. Et donc, je suis tant mes bras. Ok, vous m'avez eu. Mais je peux pas vous coffrer comme ça. Fait, j'ai besoin de preuves. Vous n'allez pas avouer devant tout le monde, si. Vous n'allez pas avouer devant tes témoins. Bah, vous avez une preuve irréfutable, là. J'étais... voilà. Une photo floue? Vous croyez que ça tient devant un tribunal? Pas du tout. En tout cas, bref, vous m'avez piégé. Moi aussi, j'ai des choses sur vous.
Mais on se demande qui enquête l'un et qui enquête l'un sur l'autre. Vous avez des preuves sur moi? Sur quel sujet, si je peux me permettre? Et puis là, je te fais un grand sourire. On va, c'est ça, on est en train de se dévoiler tous nos jeux, c'est ça? Bah, je vous ai montré ce que j'avais sur vous. Oui. Alors, C'est la moindre des choses. donc vous voulez que je montre vraiment ce que j'ai sur vous? Mais c'est vous m'expliquez comment un capitaine peut être aussi richement vêtu? Je peux très bien avoir des généreux Un donateurs. capitaine, Ce n'est pas des une généreux preuve. donateurs. Les généraux D'accord, des donateurs, généreux j'aime donateurs. beaucoup les généraux Juste au moment donateurs. où et vous n'avez aucun lien avec vous allez me dire avec Carpentier, forcément. En tout cas, ce que j'ai dit n'était pas faux, je ne l'ai jamais vu. Possible que j'en ai déjà entendu parler, mais Oui, je ne l'avais jamais bien sûr. rencontré. Et Bien sûr, d'ailleurs, bien sûr. je ne lui porte aucune affection. Vous le savez très bien, vu que je vous ai prévenu à propos de Carpentier. Oui, non, mais tout à fait. Mais votre comportement avec, avec mes autres collègues m'a un peu choqué. Avec vos autres collègues, comment ça? Ben, soit vous en dites trop, soit vous en dites pas assez. J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit à vos collègues? Non, le comportement que vous avez eu avec Carpentier quand mes collègues étaient là. Anis et Ismaël. En sa présence, vous voulez dire? Oui. Bien sûr. Et puis une fois qu'il est parti, vous restez vague, vous restez flou. Et puis c'est bizarre quand même qu'on ait des micros ici. Alors, effectivement, peut-être que j'en sais plus ce que je viens de dire. Par contre, ça ne me dit pas quelle preuve vous avez sur moi. Mais. Vous avez une photo floue sur moi et moi j'ai des choses sur vous. Voilà. Oui, mais cette photo, c'est l'étendue de mes preuves que j'ai pour l'instant sur vous. C'est ça. C'est ça. Donc, Et au bon final, bah on écoutez, est ça à peut peu faire pas grand près chose. à égalité, Vous restez si je aussi. comprends bien. Non, mais vos explications restent aussi floues que la photo, j'ai l'impression. Bah, moi, je vais être aussi évasif que la photo, on va dire. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes missionné, oui ou non, pour enquêter sur moi? Écoutez, vous posez beaucoup de questions pour une. Sachant qu'il y a, vous savez quoi tout autour de nous. Mais je croyais qu'on pouvait parler sans problème. Vous avez raison. Voilà. Et donc? Je me lève et je vais sortir de la maison dehors. Je vais aller fumer. Très bien. Je vous fais un petit coucou. C'est-à-dire? Par la fenêtre, je Je vous fais suppose, peut-être. un petit coucou par la fenêtre et puis je vais m'endormir. Eh bien, je sens que la nuit va se terminer comme ça. Oui. C'est ça. Il va retourner se coucher. Voilà. Voilà. J'ai ramené nos deux comparses dans le salon principal pour qu'on termine la nuit ensemble. Hop. Quatre Je vous ramène, de chez nous. ah oui, un Ah, peu violemment, je vous ai ramené voilà. chez nous. Oui, donc à moins que vous prévoyiez quelque chose de particulier de plus pour cette nuit, je pense qu'on va mettre un terme à l'épisode de ce soir. Si vous n'avez pas d'inconvénient. Ben, ok. ouais, Ah ok, oui, moi j'ai rien de parfait. prévu. Ouais. Eh bien, on MJ, va. parfait. Oui. MJ, tu vas me rendre complètement flou. Je te rends flou, oui, c'est tout à fait le terme. Je t'ai rendu flou. Rentru flou. Eh Et ben, maintenant. la nuit va se passer, et ce qui va se passer pendant la nuit, eh ben, vous le saurez au prochain épisode. Et donc, Eh à bien, bientôt! ah.
Peter.